jamais 203. Un adage qu'a suivi à la lettre près Daniel Guichard, invité de l'émission La Boîte à Secrets présentée par Faustine Bollaert, ce vendredi 12 janvier sur France 3. Depuis les années 1980, le chanteur vit une belle histoire d'amour avec Christine, une ancienne hôtesse de l'air rencontrée lors d'un vol Karachi-Pékin. Je consommais à l'époque beaucoup de champagne. En étant en première classe, je passais mon temps à sonner l'hôtesse de l'air pour qu'elle m'apporte du champagne. C'était Christine, avait raconté l'interprète des titres La Tendresse et Mon Vieux, dans les colonnes de Closer en décembre 2018. Et d'ajouter, j'ai invité tout l'équipage à dîner. Les liens se sont créés tout naturellement. À partir de ce moment, Daniel Guichard et Christine ne se sont plus quittés. 10 ans après leur rencontre, en 1991, les deux tourtereaux ont franchi une grande étape en se disant oui pour la vie. Éperdu d'amour pour la mère de 3 de ses 7 enfants, Gabriel, Joël et Raphaël, Daniel Guichard lui a demandé sa main une seconde fois en 2002. Amoureux comme au premier jour, les époux n'ont pas hésité à renouveler leur vœu de mariage en 2019. Je vais l'épouser une troisième fois, en Chine, avec quelques copains. Révélait l'ami de Claude François dans les colonnes de Closer. Avant de dévoiler les raisons de cette troisième union, nous le ferons pour nos enfants. Ils étaient trop jeunes et n'ont pas vraiment vécu le deuxième mariage. Quand on aime, on ne compte pas. Daniel Guichard, qui sont les femmes de sa vie? Avant son coup de foudre pour Christine, Daniel Guichard a vécu de grandes relations. Celui qui refuse d'être coach dans le télécrochet The Voice a été une première fois marié à Claudine, la mère de ses 3 premières filles, Gwenaëlle, Armelle et Anaëlle. En 1971, le couple a signé les papiers du divorce. Quelques temps après cette séparation, l'interprète du titre Le Gitan a retrouvé l'amour dans les bras de son ancienne attachée de presse, Michel. Ensemble, ils sont devenus les heureux parents d'Emmanuel, né en 1984. Cependant, c'est bel et bien aux côtés de Christine que Daniel Guichard a trouvé son équilibre. À la question que vous a-t-elle appris ? Posée par nos confrères de Closer, l'artiste a répondu que sa tendre épouse lui a assuré qu'il est un gentil garçon, mais chiant. Un trait de caractère que Daniel Guichard n'a pas nié. Il faut beaucoup de patience avec moi. Déclarait-il en toute franchise. Crédit photo, Christophe Clovis. Thank you.